quelque chose de bien plaisant qui est arrivé dernièrement à Christophe le bon enfant. Chose véritable, sa femme ayant pour aimable un meunier tout aimable. Christophe s'en va dessus le marché, c'est pour y vendre des brocantés. C'est pour y vendre des brocantés, son beurre et son fromage. Mais il s'en va à sa maison, faisant triste ménage. Sa femme le voit venir de loin, a dit Christophe a du chagrin. A dit à son meunier badin, je vois venir Christophe. Pour être certain qu'il vous voit pas, fourrez-vous dans mon coffre. Christophe lui dit tout en entrant, ta femme il fait grand mauvais temps. Là-bas, là-haut du marché je viens, ils m'ont fait une grosse offre. Comme nous avons besoin d'argent, nous garderons notre coffre. Peut-être oui, non, mon cher mari, tu parles comme un homme sans esprit. Nous vendrons nos plus beaux habits et moi toutes mes belles robes. Ça nous fera bien plus d'argent. Oh, laisse-moi dans mon coffre. Un homme y met dans sa maison. Je vais le vendre bien vite et peu. Je vais le vendre bien vite et peu. Car il est pas bon d'âge. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il pèse lourd comme un cheval. Et le plus jeune de ses enfants, il dit papa le meunier d'un. Ah, tais-toi donc, mon cher enfant, ne parle pas davantage. Je veux le vendre bien vite et peu, oiseau avec ça. Parle pas sans un gros marchand, le meunier se mit à parler. Marchand, marchand, achète le don, je t'en donnerai le double. Depuis trois jours que je suis dedans, la cervelle m'en trouble. Ça t'apprendra, meunier badin, et d'aller flatter les catins, et d'aller flatter les catins. La femme Christophe, tu seras vendu pour le certain et livré dans un coffre.